J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec du retard. En fait, c'était une vidéo back to work, back to school. Et finalement, j'ai reçu mon colis avec un peu de retard. Donc du coup, c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. Sur le site de Modanisa, pour le mois de septembre, je vous ai préparé des tenues chic, classe, intemporelles. Alors, avant de vous laisser avec le lookbook, je tenais à apporter des petites précisions par rapport à mes choix, puisque lors de mon dernier lookbook, il y a des filles qui m'ont dit « Oui, mais Hasna, il y a des pièces qui sont trop chères. » Écoutez les filles, moi je vous fais un lookbook, c'est vraiment… Je sélectionne des pièces. En général, je prends des pièces très accessibles et des pièces un peu plus chères. Sur le site, vous avez la possibilité de trier les articles par prix croissant ou décroissant. Donc voilà, selon votre budget, vous pouvez faire ça. Mais en tout cas, pour ma part, quand je sélectionne des vêtements, je regarde vraiment la coupe, la qualité. Le plus important, je trouve, c'est vraiment d'avoir quelques pièces qui vont durer et non pas prendre des articles qui vont, voilà, au bout d'un moment, vous allez vous enlacer. Et franchement, la marque ici dont je vais vous parler, je l'ai déjà testée auparavant. Et les vêtements sont juste top. On y va avec la première tenue toute simple. Voilà, donc... Cette première tenue, chemise noire, c'est une chemise noire opaque. La coupe, elle est super belle. Franchement, j'ai rien à dire. Elle est juste canon. Vraiment le style de chemise que j'aime énormément. Et alors, le pantalon. Parce que franchement, les pantalons noirs, pour trouver un pantalon qui coupe, qui taille et qui est bien coupé, je veux dire, en tout cas, dans les marques modestes, en général, je n'achète pas mes pantalons dans les marques modestes. Pour le coup, je me suis dit, allez, je vais tester les pantalons et je ne regrette pas. Vraiment, le pantalon noir classique, super beau. Le tissu est super beau, bien coupé. J'ai pris une taille 36. Et il est nickel. Petite paire de chaussures. Et voilà pour le premier look. On passe au deuxième look. Est-ce que vous êtes prêtes pour la deuxième tenue? Donc la deuxième tenue, je porte exactement la même tenue. Donc la chemise, pour le coup, là, je vais faire entrer dans le pantalon. Vous voyez, le pantalon, franchement, il taille trop trop bien. Il est canon. J'aime trop. Et alors, j'ai rajouté cette veste que vous pouvez voir ici, qui est hyper longue, avec des poches sans manches. Donc juste ce qu'il faut, vous voyez, quand les températures commencent un peu à se refroidir, mais pas trop, quand ça se rafraîchit plutôt, on va dire. Et franchement, j'aime trop. Pour la deuxième tenue, donc vous voyez que c'est encore un classique. Regardez-moi cette chemise, comment elle est jolie, comment elle est bien coupée. Regardez-moi les détails. J'aime bien parce que c'est juste la longueur qu'il faut, je trouve, avec ce pantalon d'ailleurs qui est large en haut. Donc du coup, vous voyez, ça fait... Je trouve que ça reste modeste, vous voyez, c'est pas la chemise trop courte ou autre. Après, vous pouvez mettre ça avec une paire de baskets ou ce que vous voulez. Mais franchement, je la trouve juste super belle. On va voir maintenant rentrer dans le pantalon, juste pour vous montrer. Voilà, et alors du coup, tadam ! Voilà. Voilà pourquoi j'aime bien ce genre de veste. Vous voyez, vous mettez ça au-dessus et tout de suite, ça donne un côté vraiment très modeste à la tenue. Vous voyez, hop, ça donne tout de suite un autre look avec la veste. Je pense que même avec une veste noire, ça pourrait aussi bien donner. Mais franchement, j'aime beaucoup. La chemise, elle est trop trop belle. Trop belle, elle existe aussi en noir. Vraiment, elle est magnifique. Vous voyez, avec un effet un peu bombé comme ça au niveau des épaules. Tenue suivante. Tenue suivante, j'ai gardé le même haut, vous voyez. Alors, pantalon nude, c'est le même pantalon que le noir. Franchement, les filles, ils sont canons. La coupe... Comment on se sent bien dedans? C'est juste un truc de dingue, franchement un truc de dingue. Et alors, j'ai mis une petite paire de baskets blanches. Vous voyez, parce que je trouve que le haut, il fait quand même très, très fin, très, très classe. Donc du coup, je me suis dit, allez, on va casser ça avec des baskets. Mais bon, en même temps, mes baskets, je vais vous les montrer de plus près. Bande là qui est trop mini, qui est trop mignonne. Et voilà, ça nous donne ça au niveau de la tenue. On va passer un petit peu aux tenues colorées. Hein, parce que oui, ok, c'est bien hein, de retourner bosser avec du noir, du blanc, du classique. Mais sincèrement, je trouve quand même qu'un beau chemisier coloré, est-ce qu'on le voit? Là, il est derrière. C'est aussi super et franchement, ça fait du bien au moral. Surtout en hiver, là, quand il commence un peu, là, oui, les jours se raccourcissent, etc. Donc les filles, franchement, la marque ici, la plupart des articles que je vous présente ici, vous verrez que c'est une même créatrice, Eda, Atawa, je vous mettrai ça en barre d'informations. Mais franchement, on est sur de la qualité. Franchement, voilà, on voit que c'est un travail propre, les coupes sont bien faites, que c'est bien fait. Vous voyez les chemises, franchement, les boutons, comment ils sont faits, tout est nickel. Sincèrement, les coutures, etc. Alors, donc voici le look. Une chemise colorée, pantalon nude. En général,
général, quand je porte des motifs comme ça, vous voyez, hyper colorés et tout, j'aime bien avoir un hijab uni, bien sûr, sinon ça fait trop, hein. Chose de simple, vous voyez. Si vous mettez une paire d'escarpins nude ou même franchement une belle paire de... J'en ai pas. Non, j'ai pas, j'ai réfléchi, j'ai pas de rose fuchsia, j'ai pas de couleur, j'ai pas de sandales. Vous voyez, un beau fuchsia ou un beau rose ou alors même une belle paire de chaussures orange. Là, ça, c'est canon. Franchement, c'est canon, sincèrement. Je pense que je devrais m'acheter plus souvent des chaussures colorées. Donc voilà pour cette tenue. Il me reste encore une tenue à vous présenter et on aura terminé. On arrive les filles à la dernière tenue de ce lookbook et je pense que c'est l'une de mes préférées. Donc c'est un ensemble, vous voyez, ça change vraiment de l'ordinaire. Donc c'est un ensemble, c'est un haut que j'ai fait rentrer dans la jupe. Donc c'est une jupe, comme vous pouvez le voir. Super à l'aise, toujours la même marque. Hop. Et franchement, j'aime beaucoup parce que finalement, c'est bien aussi de porter des couleurs des fois. Franchement, vous voyez, rien que de porter des couleurs, ça met de bonne humeur. Et j'aime beaucoup. Donc voilà les filles, écoutez, pour ce lookbook, j'espère vraiment que celui-ci vous aura plu. Donc sur le site de Modaliser en ce moment, il y a des grosses promos qui se terminent aujourd'hui. Donc je vais vite faire le montage pour vous mettre la vidéo puisque la grosse promo du moment se termine aujourd'hui. Mais vous aurez le temps d'aller choper puisqu'on a 7 heures de plus ici à Singapour. Donc ça c'est bien, j'ai toujours une petite marge comme ça de manœuvre, on va dire. En tout cas, j'espère vraiment les filles que cette sélection vous aura plu. Encore une fois, tous les articles, franchement, je vous les recommande à 2000%. Ils sont tous canon, 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 canon. Mais n'hésitez pas à aller voir sur le site internet et n'hésitez pas à classer les prix, comme je vous disais, ordre croissant, décroissant. Vous regardez selon votre budget. Vous pouvez même mettre une fourchette aussi si vous voulez de prix. N'hésitez pas à utiliser mon code promo WithHasnabi qui vous donne 10% supplémentaire. Je vous mets donc tout ça en barre d'informations. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, laissez-moi un petit commentaire. Dites-moi quelle tenue vous avez préférée. Bye.